Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je vais vous raconter mon tour du monde en solitaire que j'ai commencé sous dialyse et puis que j'ai terminé en étant greffé. Alors, je m'appelle Jean-Louis Clémenceau, j'ai 64 ans, je suis marié, j'ai 3 grands-enfants ainsi que 5 petits-enfants. Malgré une formation d'électronicien informaticien, c'est dans l'immobilier d'entreprise que j'ai fait fortune. Cette autonomie financière m'assure une grande liberté qui me permet de vivre les défis que je me lance. J'ai toujours eu la passion de réussir, et plus le défi est difficile, et plus le bonheur est grand d'arriver à gagner. Alors, ma passion voile, c'est en colonie de vacances, à l'âge de 10 ans, que j'ai découvert en fait la voile grâce à des dériveurs. J'ai tout de suite été séduit et mon rêve de tour du monde a commencé à me travailler et ne m'a plus quitté. Ensuite, j'ai eu une période planche à voile et puis une fois marié avec des enfants, j'ai commencé à louer des bateaux en Grèce et en Turquie tous les ans, les étés, pour pratiquer la voile. Ensuite, l'hiver, c'était des sorties entre copains, des sorties un peu plus sportives, avec des tours de Corse, sur des voiliers de location toujours, avec des météos un peu plus difficiles que l'été. Je rêvais de grandes traversées, et puis après le voyage d'un bateau entre la Turquie et Toulon, j'ai plus qu'une idée, c'était de m'acheter mon propre bateau. J'ai cherché pendant 2 ans, et puis je suis tombé sur Harmattan, c'était un coup de foudre, un ketch de 15 mètres de long qui était en train de pourrir dans le vieux port de Marseille. J'ai attaqué donc la remise en état de ce bateau. Ça m'a pris 9 ans, 15 000 heures de travail, un gros boulot en fait. Et j'ai fini par remettre le bateau à l'eau en 2007. Et j'ai fait un tour de Méditerranée en solitaire pour le roder. Et ensuite, j'étais prêt à partir en Patagonie. Malheureusement, lors de ma visite régulière chez mon néphrologue, le verdict tombe. Je suis en phase terminale d'insuffisance rénale chronique. Je dois être dialysé. Alors, c'est la catastrophe, vous imaginez. Je pense que je vais rentrer en prison. Je sors le bateau de l'eau, je le désarme. Et je n'imaginais pas de le revoir avant bien longtemps. Alors, au niveau de ma maladie, en fait, j'ai un jumeau. Mon frère a été parfaitement bien construit, mais pour moi, les choses ont été un peu bâclées. J'avais quelques malformations. Tout d'abord, je suis né avec une dent qui est tombée au bout d'un mois. Et puis, plus grave, j'avais une valve à l'urètre qui n'a été diagnostiquée qu'à l'âge de 28 ans. Et toute ma vie, j'ai fait continuellement des infections urinaires. J'arrivais pas à pisser, quoi. Hein. Et malgré des visites chez de nombreux urologues, personne ne trouvait ce qui se passait. Il y a un médecin, en fait, un professeur aux enfants malades, qui a trouvé, donc j'avais 28 ans, il a trouvé, en fait, ce qui se passait. Il m'a opéré une première fois, puis une seconde fois l'année d'après, par les voies naturelles. Ça a un petit peu amélioré, mais ça n'a pas solutionné complètement le problème. À l'âge de 30 ans, j'ai créé ma société. Au bout d'un an, j'avais 18 salariés. Le stress, j'ai pris du poids. Je dois consulter un cardiologue qui détecte une hypertension artérielle. Et donc, médicaments, visite régulière donc, à ce cardiologue. Et j'ai 45 ans. J'ai une visite régulière à mon cardiologue. Il m'a prescrit une analyse de sang. Il a la mine grave et il me dit que ma créatinine est anormalement élevée. Il m'envoie consulter un néphrologue à l'hôpital. Une biopsie rénale permet de conclure que les reins sont irrémédiablement en train de se détruire et qu'un jour futur, je serai obligé d'être dialysé. Alors, c'est un choc, mais bon, on s'habitue. Et puis, les jours passent, les mois passent, les années passent. Au fil des visites à mon néphrologue, au fil des ans, je vois mon taux de créatinine qui augmente régulièrement. À mon bureau, sur un tableur, je suis la courbe de l'évolution de mon taux de créatinine.
À 55 ans, je suis de plus en plus fatigué et comme j'ai du mal à uriner, mes reins souffrent. Le néphrologue m'envoie vers l'urologue de l'hôpital qui décide de tenter une nouvelle opération et de pratiquer en même temps une biopsie de la prostate. L'opération se passe bien. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses. Cette opération ne résout pas le problème, mais dès ma sortie de l'hôpital, je dois y entrer à nouveau pour une prostatite aiguë. À partir de ce moment, les infections urinaires reprennent régulièrement et se terminent régulièrement également en prostatite. À partir de 2007, ma santé se dégrade de plus en plus et je consulte le professeur Dufour, un urologue parisien réputé. Il décide à nouveau d'opérer cette valve et de gratter la prostate. Il passe par le canal. Encore une fois, l'opération se fait par le canal. Je suis sorti depuis quelques jours de la clinique. Il m'appelle et me demande de passer le voir. Il m'apprend que lors de cette visite, que l'on a découvert des cellules mauvaises. Je comprends immédiatement que j'ai un cancer et nous décidons d'enlever cette prostate au plus vite. Au niveau mictionnel, je n'arrive plus à uriner. Avec mon néphrologue, nous lui demandons de profiter de l'opération pour enlever la valve et refaire une fois pour toutes ce canal. Il refuse au départ, et c'est trop compliqué en fait, mais au moment où je monte sur le billard, il me dit qu'il va le faire malgré tout. C'est une opération difficile, elle dure 7 heures, mais c'est un succès, et pour la première fois de ma vie, à 57 ans, j'urine normalement. Malheureusement, pour les reins, c'est trop tard. Et un an plus tard, mon néphrologue doit me transférer au service de dialyse. Alors, c'est le docteur Verger qui est chargé de me présenter les deux méthodes de dialyse. J'étais sur Internet, mais j'ai trouvé que du négatif, uniquement des patients mécontents de leur sort qui me laissent penser que, quelle que soit la méthode de dialyse, je vais vivre l'horreur. Moi, je suis viscéralement épris de liberté et j'ai l'impression que c'est la fin de ma vie, que je vais vraiment être en prison. Et que, quelle que soit la méthode choisie, ça ne va pas être vraiment top. Si je choisis l'hémodialyse, j'aurai tout de même mes week-ends et je pourrai faire des ronds dans l'eau, dans la rade de Marseille, mais ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ce qui me plaît, ce sont les grands voyages. Par contre, pour la dialyse péritonéale, j'ai l'impression que je vais être emprisonné à mon domicile. Je demande au néphrologue, pourrais-je me dialyser à bord de mon bateau? Il ne sait pas répondre, je ressors indécis de cette visite. Mais je dois donner mon choix très rapidement. Je suis presque décidé à partir en hémodialyse. Puis je me dis que j'aime l'autonomie et que ma seule chance de pouvoir continuer à voyager en bateau, s'il y en a une, c'est avec la dialyse péritonéale. Je regrette à ce moment qu'il n'y ait pas de site internet où des dialysés puissent faire part de leur expérience. Lors de la seconde visite, je dois donner mon choix. C'est la dialyse péritonéale et nous décidons immédiatement de la date de pose du cathéter. Commence alors la formation avec les infirmières. Il faut une pièce particulière pour se dialyser, fermer la fenêtre et la porte, se laver les mains en fermant le robinet avec le coude, s'essuyer avec du papier essuie-tout. Cela réduit considérablement la liberté et mon moral en prend un sacré coup. Je pose plein de questions et à un moment, l'infirmière me dit qu'un de ses patients commercial se dialysait dans sa voiture sur le parking de ses clients. Alors là, j'ai du mal à comprendre. Et finalement, je vois qu'il y a la théorie, la recherche continuelle de l'asepsie la plus rigoureuse, et puis à la vie de tous les jours. Mon ciel de liberté s'éclaircit tout à coup. À la séance suivante, je lui demande si on peut se dialyser dans un camping-car. La réponse est oui, sans aucun problème. La vie redevient soudainement sympathique à vivre. Je rentre au bureau et immédiatement, je consulte les annonces de camping-car et j'achète un modèle poids lourd afin de pouvoir transporter suffisamment de poches pour un mois de traitement. Si je peux me dialyser dans mon camping-car, je pourrais a fortiori me dialyser dans mon bateau. Je me dis que se dialyser dans le bateau pendant trois quarts d'heure en étant proche des côtes, cela doit être difficile, car des dangers peuvent survenir à tout moment. Mais se dialyser en plein milieu de l'océan, là où il n'y a personne, ne doit pas poser de problème. Je commence à envisager une traversée de l'Atlantique en solitaire. Le docteur Verger m'a mis en relation avec un néphrologue de Bretagne, que vous connaissez bien, qui est également un grand marin, le docteur Pierre-Yves Durand.
Nous dialoguons par mail, il pense que ce défi est réalisable. Avant que le docteur Verger ne parte en vacances, je lui offre un exemplaire de mon premier livre, « La passion de réussir ». Lorsqu'il revient, il l'a lu et m'annonce qu'il est partant pour que l'on monte ensemble le projet. Quel grand bonheur! Bien que je ne sois pas encore dialysé, la dialyse passe au second plan. Je suis tout excité par l'aventure qui commence. En mer, il y a des routes et des périodes précises pour les effectuer. En l'occurrence, pour traverser l'Atlantique, il faut commencer par faire le trajet de Marseille aux Canaries au plus tard début octobre, alors que nous sommes début août. Je n'ai que 2 mois pour tout organiser. C'est une véritable course contre la montre qui commence. Je dois suivre la formation pour être dialysé, démarrer la dialyse, puisque je ne suis pas encore dialysé, réarmer le bateau, le caréner, le préparer pour une traversée de l'Atlantique en solitaire et l'équiper en moyens de communication afin de pouvoir être suivi médicalement en permanence. Pierre-Yves Durand fait un test de la qualité de l'air en pleine mer. L'air y est très pur, il n'y a pas de bactéries. Un autre problème surgit, ce n'est pas possible de se peser sur un bateau car celui-ci est constamment en mouvement. Aussi, je dois emporter un impédance-mètre et apprendre à l'utiliser. Ma première dialyse a lieu le 6 août. Très vite, je me rends compte que je peux faire énormément de choses pendant ma dialyse et que celle-ci ne me gêne pas énormément dans mes activités. De plus, en quelques jours, je retrouve une forme que je n'ai plus connue depuis très longtemps. Je fabrique un four solaire pour réchauffer les poches. C'est une sécurité, mais en arrivant en Martinique, je découvrirai que sous les tropiques, on ne réchauffe jamais les poches. Au contraire, on préfère les passer un peu froides afin de se rafraîchir. Nous réfléchissons sur la connexion et la déconnexion dans un environnement secoué. Alors, la formation est sérieuse. Je fais une formation de biologie. Je dois suivre également un cours de biologie pour être capable d'effectuer un prélèvement, ensemencer des boîtes de pétri, effectuer un antibiogramme et m'injecter les antibiotiques si nécessaire. On est déjà fin septembre. Il faut faire l'approvisionnement du bateau et charger 300 kg de poches de dialyse. Afin de me rôder à la dialyse en bateau, je pars pour le convoyer de Marseille aux Canaries avec mon copain Jackie et un photographe professionnel. Le départ a lieu le 5 octobre 2009. Le départ se fait dans une mer très formée avec beaucoup de vent. Les derniers jours ont été extrêmement chargés avec beaucoup de stress. Je suis fatigué, je dois faire mes dialyses à l'intérieur du bateau. Ce sont les instructions. Il faut peser les poches à l'aide d'un peson, c'est redoutable. Le peson n'arrête pas de monter et descendre et immédiatement le mal de mer est là. Je suis rapidement malade à mourir, j'utilise la bassine des dizaines de fois et passe 24 heures très difficiles. Le lendemain matin, le vent et la mer se sont un peu calmés, je prends un comprimé pour le mal de mer et rapidement cela va beaucoup mieux. Arrivé à Barcelone, je me rends à l'hôpital pour un contrôle, tout va bien. Puis nous longeons la côte espagnole, nous passons Alicante, Aguilas, Almeria, puis Marbella et la mer d'Alboran. Le 11 octobre, dans l'après-midi, apparaît le fameux rocher de Gibraltar. Tous les jours, grâce à ma connexion satellite, j'envoie un rapport complet de mes paramètres médicaux à l'équipe médicale. Après un plein de gasoil à Gibraltar, c'est la traversée du détroit, une escale à Tanger pour ravitaillement, avant de longer les côtes marocaines en direction du sud. Nous arrivons à Lanzarote, aux Canaries, le 18 octobre, après avoir parcouru 1347 milles en 12 jours de mer. Après une visite de la caldeira, je reviens en France pour un contrôle médical et attendre les alizés. Je retourne à Lanzarote le 25 novembre, quand les alizés ont commencé à souffler. L'approvisionnement a lieu à Tenerife avant le grand départ. Je pars en solitaire le 29 novembre. Après un début de parcours difficile dans une mer formée, c'est du petit temps et il faut porter le spinnaker. Parfois, il n'en fait qu'à sa tête et je dois me battre avec lui. C'est du grand bonheur. Le bateau est extraordinaire, je vis normalement. La dialyse s'intègre sans aucune gêne dans ma vie quotidienne. Je reçois un accueil émouvant lors de mon arrivée en Martinique, le 24 décembre.
après 23 jours en autonomie totale sous dialyse péritonéale, accueil par la télé, les radios, les journalistes et les associations de dialysés. C'est une grande victoire pour moi-même. L'émotion est énorme, je reviens en France pour un contrôle médical. C'est déjà un énorme succès, articles de presse, radio, télé. On parle de la dialyse péritonéale. Je reviens en Martinique le 13 mars 2010. J'ai un choix à faire. Donc soit je reviens par l'Atlantique Nord, soit je continue pour un tour complet du globe. Puisque la traversée de l'Atlantique s'est bien passée, je ne peux résister au plaisir de continuer et de faire le grand tour. Je repars de Martinique le 13 mars 2010 et traverse la mer des Caraïbes dans des conditions de mer difficiles, Maracaibo, la côte colombienne, Caracas et les San Blas. J'arrive au pays des Indiens Kuna en pleine nuit et je manque de peu de me fracasser sur la barrière de corail. Un Indien Kuna vient à ma rencontre et me guide dans la passe au milieu des récifs. Le lendemain, visite de son île qui s'appelle les Cailles du Diable. Ensuite, c'est l'arrivée à Colón, la côte ouest du canal de Panama, et la grande aventure de la traversée du canal. Puis, la traversée, le passage de l'équateur et la fête qui va avec. Avant d'arriver aux Galapagos le 13 avril. Le lendemain, je repars après avoir fait un petit avitaillement pour la grande traversée du Pacifique. C'est une traversée musclée, beaucoup de mer, beaucoup de vent. 17 jours et demi pour parcourir 3000 milles à 8 nœuds et demi de moyenne. C'est presque un record. J'arrive aux îles Marquises le 8 mai au matin sous un orage monstrueux. Je débarque sur Ivaoa. Beaucoup d'émotions devant la tombe du Grand Jacques, mais pas du tout devant celle de Gauguin. Puis c'est l'île de Nuku'iwa, avec ses banians d'une taille exceptionnelle. Quelques jours plus tard, les Tuamotu. Et enfin, j'arrive à Tahiti le 25 mai. Sur le journal local, il y a déjà ma photo avec un article sur la dialyse péritonéale. Je reviens en France pour un contrôle médical. Je retourne à Tahiti le 27 juillet. Le bateau est dans un état terrible, tout est vert, tout est moisi. Il faut faire un grand nettoyage et un avitaillement copieux. Le bateau départ 2 jours plus tard pour un parcours de 3 mois. Les îles Cook, les Tonga, les Fidji, une escale forcée au Vatuatu pour des réparations, puis la mer de Corail, la Papouasie, le détroit de Torres, et le pilote automatique qui tombe en panne à l'endroit le plus malfamé du monde. Puis c'est la mer d'Arafura. Il y a des épreuves, le pilote automatique en panne, la drisse de grand voile qui se coince en haut du mât. Et j'arrive à Darwin, je fais escale pour charger 2 mois de traitement, 400 poches de dialyse. Voilà ce que ça représente. Puis c'est l'arrivée en Indonésie avec la mer de Timor, la mer de Flores, la mer de Java avec les pêcheurs au Lamparo. J'ai oublié les balises. Voilà, la mer de Chine et ses maisons flottantes. J'arrive à Singapour le 22 octobre après presque 3 mois de mer en solitaire, puis je retourne en France pour un contrôle médical. Je reviens à Singapour pour poursuivre ma balade après les fêtes de fin d'année en famille. C'est la Malaisie et le détroit de Malacca, la visite de Kuala Lumpur, la très médiatique île de Langkawi, avant la Thaïlande. Koh Lanta, Koh Phi Phi, puis Phuket, visite de Bangkok, puis la Birmanie et Rangoon. La mer d'Andaman. Et là, donc, je suis avec mon copain Jackie, qui est avec moi pour ce petit parcours. Et on traverse le golfe du Bengale. Gros problème,
Il se réveille un matin avec 39 de fièvre. Il a un érysipèle. On est obligé de l'évacuer en haute mer. J'arrive ensuite à Chennai, en Inde. Mauvais accueil, mauvais souvenir. Puis c'est le Sri Lanka, un pays magnifique. Visite de parcs animaliers. Tous ces parcours ont été effectués en me dialysant 3 fois par jour. Ce n'est pas une contrainte, il faut juste un peu d'organisation. Je reviens en France pour un contrôle médical. Et puis, on est le 1er avril 2011, 21h30, mon téléphone sonne. Il y a un rein pour moi. Je suis transplanté le lendemain. Malheureusement, ça se passe très mal. Un tiers du rein se nécrose au niveau du bassinet. Infection, fuite d'urine dans le ventre. Après un mois et demi à l'hôpital, je ressors appareillé avec une sonde urinaire et une sonde dans le ventre, équipée d'une poche collée sur le flanc droit. Le 19 juin 2011, il y a 12 semaines que je suis greffé, beaucoup pensent qu'il va falloir me retirer ce greffon quand tout à coup, la fuite s'arrête. Je dois encore attendre un mois pour que l'on me retire les sondes, et le 1er septembre, je peux enfin retourner au Sri Lanka, remettre en état Harmattan et poursuivre mon tour du monde. Après 6 mois au port, le bateau est dans un mauvais état, plus rien ne fonctionne, je suis seul, j'ai beaucoup de travail. Je prends la mer le 11 septembre, c'est viril, il y a du vent, de la mer et des orages, je passe l'équateur pour la troisième fois et j'arrive à La Réunion le 27 septembre. Réparation, remise en état du bateau, visite de cette île magnifique, je repars un mois plus tard pour l'Afrique du Sud, traversée très difficile avec calme plat, et grosse tempête. J'arrive à Richard Bay en Afrique du Sud, visite d'une réserve animalière, un de mes plus beaux souvenirs. Je reviens en France pour un contrôle médical. Puis je repars en Afrique du Sud. J'arrive le 10 janvier 2012 pour un parcours de 3 mois en solitaire. C'est le plus difficile des parcours, l'endroit le plus dangereux du monde, avec des vagues verticales qui peuvent atteindre 20 mètres de haut. Ensuite, c'est Cape Town, le Cap de Bonne-Espérance, Cape Town, avec la fameuse montagne de la table. Une traversée très sympathique de Cape Town jusqu'à Sainte-Hélène, où j'arrive le 4 mars. Accueil sympa à Sainte-Hélène, par le consul de France, la maison où a vécu Napoléon et son tombeau avait... que me fait visiter le consul de France. Je repars le 9 mars pour le Cap-Vert, traversée de l'Équateur pour la 4e fois. C'est ensuite le poteau noir, avant d'affronter de face les Alizés du Nord-Ouest. J'arrive au Cap-Vert à Mindelo le 3 avril, avant de rentrer à nouveau en France pour un contrôle médical. Retour au Cap-Vert le 28 mai, visite des îles, je repars le 11 juin. J'arrive à Horta, aux Açores, le 24 juin. Et là, j'ai vraiment le temps de faire du tourisme, hein, maintenant que je suis greffé. C'est vraiment beaucoup de bonheur. Je visite l'île et repars pour la France le 25 juillet, où j'arrive un mois plus tard à Concarneau. J'y suis accueilli par Pierre-Yves. Pour le 3e anniversaire de ma première dialyse. Puis je repars pour La Rochelle, où je suis invité d'honneur au Grand Pavois, et j'arrive à Marseille le 20 octobre 2012. Conclusion, j'ai été dialysé pendant 20 mois. Cela n'a rien modifié à ma façon de vivre et ne m'a apporté aucune contrainte significative, mis à part ce problème de logistique. Je n'ai fait aucune infection péritonéale, alors que je me suis dialysé dans des endroits les plus improbables. J'ai pensé pendant de nombreuses années que le jour où je devrais être dialysé, ce serait la fin de ma vie. Et au contraire, ces 23 mois ont été parmi les plus beaux de ma vie. Maintenant que je suis greffé, c'est formidable, je suis redevenu tout à fait normal, exactement comme si je n'avais jamais été malade. J'ai retrouvé 100% de mes capacités physiques et je bénéficie d'une liberté totale. Alors j'ai créé une association, Vive sous dialyse. Il faut se battre pour que les futurs dialysés puissent s'informer sur les méthodes de dialyse qui existent,
Moi, c'est vraiment ce qui m'a manqué. Et ce qu'est vraiment la vie sous dialyse, afin de pouvoir choisir en toute connaissance de cause la méthode qui leur conviendra le mieux. Donc, pour cela, j'ai créé un site, Vive sous dialyse, sur lequel il y a une arborescence avec toutes les méthodes de dialyse. Et j'attends maintenant que des dialysés, et je compte sur vous pour cela, puissent venir mettre leur expérience de vie. Sur ce site, en fait, il y a un onglet où les dialysés peuvent venir raconter leur vie dans la méthode de dialyse qu'ils ont choisie. Enfin, il faut se battre pour le don d'organes. La greffe est réellement la solution reine de l'insuffisance rénale chronique. Et maintenant, je vais partir en Patagonie. La vie est courte, il faut en profiter à fond. Et je vais partir en Patagonie, me balader. C'est un des plus beaux endroits du monde. Voilà, merci.